Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Yakuza 0, donc dans le menu pause puisque là on est en plein combat. Donc pour le chapitre 43, je vous rappelle les derniers événements que du coup on est retourné en arrière, on va dire, dans la timeline, puisque ça se passait bon plus ou moins 8h, bon maintenant on n'est plus aux 8h, hein. Mais disons qu'on va dire que le début de la vidéo précédente, ça se passait 8h avant que Majima arrive au Camellia Grove, donc là où il y avait Sera et ses hommes et Makoto Makimura. Donc du coup on a pris le contrôle de Kazuma et on a tout simplement été chercher Makoto Makimura direct chez Sera. Donc l'échange s'est bien passé, sauf que sur le chemin du retour, puisqu'on n'est pas passé par les trains pour éviter de se faire cramer par la famille Oni, éventuellement s'il y a des hommes qui surveillent les réseaux ferroviaires, etc. Et ben on est passé par la voie taxi, et du coup sur l'autoroute, qu'est-ce qui s'est passé? Shibusawa est venu en personne nous faire un petit coucou et au passage tirer une balle dans la tête dans le chauffeur de taxi, ce qui fait que du coup Oda a dû prendre le volant un petit peu forcé, et des hommes de Shibusawa ont débarqué en voiture, en moto, en hélicoptère, en camionnette pour essayer de nous mettre des bâtons dans les roues. Forcément on a réussi à s'en sortir et on est arrivé du coup dans une espèce de chantier de grands bâtiments, je sais pas trop ce que c'est, mais bref. Et on a appris à nos dépens, j'ai envie de dire, puisque c'est Makoto qui s'est rendu compte déjà d'un truc, hein, quand elle était montée dans un taxi. Elle avait semblé reconnaître la voix d'Oda, sauf que techniquement, jusque-là, il n'était pas censé se connaître. Et en fait, on a appris par la suite que Oda était le fameux mec au tatouage de chauve-souris qui avait kidnappé Makoto pour la revendre à la mafia coréenne. Et ce qui explique tout le reste, hein, après le fait qu'elle ait disparu de la circulation pendant un moment, qu'elle a subi un traumatisme qui fait qu'elle est aveugle pour l'instant, et que du coup, que Wen Haili, après, hein, le chinois est venu la sauver et l'a pris sous son aile pour l'aider par la suite. Donc voilà, là on se retrouve un peu dans la merde parce que les hommes de Shibusawa ont retrouvé notre planque, donc le fameux chantier là. Et donc là on va devoir les affronter, et de l'autre on a Oda du coup qui s'est fait blesser dans la jambe par la canne de Makoto, parce qu'en fait la canne intégrait une espèce de petit couteau que Sera lui avait donné. C'était une canne un peu spéciale que Sera lui avait donné au cas où si elle devait s'en servir pour se protéger. Ce qu'elle a fait, du coup, Oda est blessé à la cuisse, et du coup il est resté sur place avec un flingue pour essayer de retenir les hommes de Shibusawa. Et donc nous on va essayer de se barrer d'ici. Donc c'est parti, allons-y. Peut-être changer de style au passage, parce que ça fait vraiment que j'ai pas changé de style. On va prendre un peu celui qui est bestial, mais c'est pas mal de monde. Alors évidemment, hop, la lâche-là. Par contre, je me rappelais pas qu'on devait protéger... Ah merde. Je me rappelais pas qu'on devait protéger Makoto dans cette phase de jeu. Ça m'arrange pas. Allez, on va balayer tout ça. Voilà. Ça sera déjà plus simple, on va y voir plus tôt. Putain, mais laissez-vous choper là. Pourquoi il veut pas se laisser choper ce bâtard? Ah, faut choisir parce qu'elle est en train de perdre pas mal de vie. Putain, ça part en gang-bang, laissez-la. Je vais me taper un game over, je vais pas comprendre. Pas faire le ménage. En fait, si je fais ça, je les chope, c'est pour les balayer en fait, pour faire un 360, mais là j'ai pas de chance, il va pas me le sortir. Comme ça, au moins ça résout le problème, vu qu'ils sont tous à terre, ils peuvent pas choper ma photo. Voilà. C'est fini, ils veulent pas suivre le mouvement. Thank you.
Allez, le coup de la scie circulaire. Alors attends, je vais changer de style, voilà, parce que là, faut être un peu plus agile. Je vais peut-être me soigner aussi, parce qu'un coup de scie, j'ai pas trop les dommages que ça fait, mais voilà, je préfère être préparé au pire. Ça me rappelle un petit peu un combat qu'on avait eu avec... je crois que c'était Akiyama, il me semble. Ouais, il me semble que c'était lui. Dans Yakuza 4, rappelez-vous, dans les sous-sols de Kamurocho, on avait été voir le chef d'une petite famille de Yakuza, je crois qu'il nous avait volé les registres en fait de Sky Finance, donc la société de prêt en fait d'Akiyama. Et il y avait un mec, c'était un blond, je sais plus comment il s'appelait d'ailleurs, un blond avec une veste en cuir je crois, qui avait débarqué avec une petite tronçonneuse pour essayer de nickel. Allez, cette fois, je crois qu'elle va être protégée. Je vais vérifier, mais il me semble que... Ouais, c'est bon. Là, je suis tranquille. Hein. J'ai failli rater la QTE, en plus, quand il a sauté avec sa scie circulaire. Là, j'avais pas la main sur la manette, en fait. J'étais en train de me gratter. Là, je vois le rond qui s'affiche. Je me suis dit, oh putain, faut que je me manque, sinon, ça va être pour ma gueule.橘を裏切って俺についたんじゃなかったのか。なんですぐ俺に女を落とさなかった。あんたらがセラに先越されたからでしょ。 教えてやったのに、もっと早く女捕まえてくれてりゃ、俺は大阪に来るまでもなかった。鬼神会の西谷ってのが大金払ってやったのに下手打ってな。まあ下手打ったのはお前もだ。
何もしねえから安心してくれ。目立たねえとこに泊まりたかっただけだ。分かってます。兄は今どんな人ですか？普段はえらく冷静な感じだ。それに頭が切れて、めったに感情を出さない。そう。私の知ってる兄とはだいぶ違うみたい。あんたはいつからあいつに会ってないんだ？10年前。私は10歳で、兄もまだ15だった。なのに兄さんは私と母さんを捨てて日本に、大阪に行くつもりとまでは聞いてた。そっか。だからあんたは蒼天堀にいたのか。橘を探すために。うん。2年前東京から家出して、蒼天堀で私、中国人を見たら兄を知りませんかって聞いて回ったの。でもその中にコウモリの入れ墨の男が。小田か。あの人は私の探している兄に心当たりがあると言ってた。それでついて行っちゃったの。けどさっきのあの人の話だと、あの時兄を知っていると言ってたのは嘘だった。それでもあんたは今度こそ兄さんに会える。カムロ町でな。兄がどんな風に変わってしまったのか少し怖い。私の知っている兄は強い人じゃなかった。中国にいる時、私も兄も日本人の子だっていじめられてた。映画館で暗くなるとね、周りの席からみんなが唾かけてくるの。上映中ずっと。私も兄も怖くて動けなかった。兄は自分の身を守るためにマフィアになるしかなかったんだと思う。そして中国を出たの。私の方はそれから何年かして日本に祖父がいると分かった。母は堂々と中国から出られるってすごく喜んでた。私も同じ。ただ日本の祖父が優しく迎えてくれたのは最初だけ。え？だって家族なのに全然言葉が通じないんだもん。だから私は中国語を忘れるくらい日本語を勉強して、祖父にも日本にも馴染もうとした。でも母は日本語を覚えられないまま自殺しちゃった。最近まで私のこと助けてくれた人たちも、一人は殺されて、一人はもうどうしてるかもわからない。私の人生ひどいよね。なんか、ああ、ひどいな。長いこと暗い道を歩いていると、この先もずっと暗いもんだと思っちまう。前に進むことが嫌になる。自分の道がこの先どうなってるか分かってるやつなんてこの世に一人もいねえ。俺らにできるのは立ち止まって泣くか、一歩でも前に進むかの二つだけだ。
あんたはどっちでも好きな方を選んでいい。入り口までは俺が案内してやる。私、カムロ町に行きます。兄に絶対に会いたいんです。だから、私を連れてってください。キリュウさん。Et voilà, on a terminé du coup le chapitre. Le chapitre. J'ai dû dire chapitre. Complètement merdé. Le chapitre 13 du coup. Donc bon, Oda-san s'est fait liquider par Shibusawa. On a appris au passage qu'apparemment il travaillait pour lui. Mais voilà, Shibusawa lui a demandé pourquoi il a plus ou moins changé de camp, pourquoi il lui avait pas rendu directement. Mais de ce qu'on comprend en fait, bah déjà il y a les circonstances qui ont fait que Sera et le consortium Nikyo, du coup ils sont ils sont invités à la fête quoi, donc du coup ça a un peu déjoué les plans. Et après du coup bah ouais, Oda a dû venir lui-même à Sotenbori, mais à la base ouais, c'était pas vraiment un bail comme ça. Je pense qu'il avait plus donné d'informations à Shibusawa, dans le sens où la femme que vous cherchez, elle est à Sotenbori, allez la récupérer. Sauf que bah vu que bah, le clan Kaijin a un peu foiré son coup et que Sera a repris le dessus, bah du coup Shibusawa l'a eu dans le cul quoi. Mais à la fin, Oda donne presque l'impression, même s'il met en avant un peu le côté incompétence de Shibusawa et de ses hommes, on a aussi un petit peu l'impression qu'il... Le fait qu'il ait résisté déjà sur la fin, il va un peu se racheter auprès de Tachibana, et je pense que du coup, sa démarche envers Shibusawa avant de mourir, c'est un peu dans cette même optique-là, quoi. C'est en mode, je vous fais chier, mais jusqu'au bout, en fait. Parce que finalement, j'ai un peu changé de camp, quoi. Je suis retourné dans mon camp d'origine, entre guillemets, quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, donc le mec, on va dire qu'il est mort en faisant chier le plus possible, quoi. Grosso merde. En tout cas, c'est un personnage que j'appréciais beaucoup. Oda, je trouve que c'est un mec qui a un putain de charisme. Bon, il a une dégaine aussi particulière qui joue beaucoup, forcément. Je sais pas ce que vous en avez pensé de ce perso-là, mais c'est vrai que c'est un perso que j'aime beaucoup. Wenaili, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé aussi, parce que bah les circonstances ont fait que j'ai un peu zappé le moment de sa mort. Quand je dis zappé, évidemment, hein, je l'ai vu mourir, c'est pas le problème. Mais c'est juste que, ouais, le moment faisait que... je crois que la vidéo durait peut-être trop longtemps à ce moment-là, donc c'était peut-être un peu compliqué de pouvoir discuter là-dessus. Et puis il y avait Sera aussi qui débarquait juste après. Ce qui fait que j'ai peut-être oublié d'aborder le sujet, mais c'est vrai que, ouais, Wenaili, du coup, sa mort, j'ai un peu skippé, en mode je m'en bats les couilles. Mais c'est pas le cas, c'est aussi un perso que j'aime beaucoup, parce que lui, pour le coup, encore une fois, c'était vraiment un grand criminel, un tueur à gages, comme il avait dit, qui travaillait pour le pays à l'époque. Donc quand je dis pour le pays, c'est comme eux le disent, hein, c'est pour le, en gros c'est pour la Chine en fait. Et le fait qu'il ait justement essayé d'avoir une seconde vie, ou je sais pas s'il essaie vraiment de se racheter, mais disons qu'il essaie de faire le moins de mal possible maintenant, en s'occupant voilà de plein de filles comme ça qui sont un peu paumées, qui fuguent leur famille pour x ou y raison, du coup il essaie de les aider. Par le biais de son système qu'il a mis en place là, avec les clubs téléphoniques et tout, genre les filles elles passent des soirées avec leurs clients et tout, elles sont tout payées, tranquilles, peinards, et puis si elles ont des embrouilles, bah ils viennent à leur rescousse, quoi. C'est ce qu'on avait vu avec Ako-chan quand on avait joué avec Majima au début, quoi. Donc voilà, il essaye un petit peu d'aider des filles en galère, et puis bah Makoto Makimura, c'est pareil, elle débarque, elle a plus personne, il a pris un peu pitié d'elle aussi. Donc du coup bah il l'aide comme il peut, parce que c'est pareil, le fait qu'elle soit aveugle ça l'aide pas non plus. Et du coup il la prend en tant qu'assistante dans son salon d'acupuncture en fait. Donc je trouve que c'est un personnage aussi très très nuancé, qui est très intéressant aussi, quoi. T'as pas juste le côté juste méchant à la con, quoi. Bah c'est ça qui est bien aussi dans la série des Yakuza, de toute façon je vais pas non plus refaire tout un paragraphe là-dessus, mais bon,
C'est un petit peu aussi ce qui est intéressant dans cette série-là, c'est que c'est des personnages qui sont toujours très nuancés, et donc du coup qui ont des motivations qui font que des fois on peut pas forcément être d'accord avec eux, bien sûr, même si ça reste de la fiction, évidemment que dans tous les cas c'est plus ou moins des criminels à un certain degré, puisque même Kiryu Kazuma, même s'il aide beaucoup, à ce stade-là ça reste un Yakuza, et les Yakuza, c'est pas censé être une société légale, donc ils font des trucs pas très cool. On l'a vu au début, hein, ils cassent des gueules au mec qui doit de l'argent, etc. Donc évidemment, même Kazuma Kiryu, certes, c'est pas un assassin, tout ça, mais évidemment, c'est pas forcément le plus grand des saints. Mais quelque part, la série dont ils ont fait évoluer le perso, ça reste... Enfin, il est montré quand même comme un grand héros, quoi, dans le sens où bah, il sauve la veuve et l'orphelin un peu, quand même, quoi. Même si, parfois, ses méthodes sont un peu brutales, quoi. Donc voilà, c'est ça qui est toujours très intéressant. Sinon, bah, on a vu, du coup, la petite cinématique, là, où ils étaient dans une espèce de love hotel, hein, c'est pour ça qu'il disait, Kazuma, à Makoto, il disait, vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vous toucherai, en fait, c'était dans ce sens-là, hein, si vous avez peut-être pas compris le truc, c'est que forcément, quand t'invites une meuf dans un love hotel, à la base, c'est pour baiser, mais bon, là, forcément, c'était juste pour se cacher, quoi, mais c'est marrant, parce que, du coup, elle est complètement en mode premier degré, en mode c'est pas grave, elle raconte ses bails sombres, alors que lui, il essaie juste de la rassurer. Mais du coup, elle est revenue un petit peu sur le passé de son frère et d'elle, quand lui avait 15 ans et elle 10 ans, et montrait un petit peu que c'était dur aussi de vivre en Chine, où tout le monde leur crachait dessus, etc. Comme elle le disait, hein, quand ils allaient au cinéma, etc. Donc ils ont vraiment pas eu la vie facile, et on comprend du coup pourquoi elle a débarqué au Japon, en fait, notamment à Osaka toute seule, puisqu'elle était à la recherche de son frère. Comme elle a dit, en fait, au moment où Tachibana a décidé de partir au Japon, elle avait dit qu'il ira à Osaka, et du coup elle a gardé ça en mémoire, en fait. Quand elle-même, du coup, a pu... Enfin, a pu, c'est pas vraiment a pu, elle a fuyé, du coup, de ce qu'on a compris, de chez son grand-père à Tokyo. Elle est allée à Osaka dans l'espoir de retrouver son frère, en fait. Tout simplement. Après, il y a une zone d'ombre, je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si le script japonais est peut-être plus précis à ce stade-là, mais il y a un moment où elle évoque, du coup, que... Bah, au début, c'était chaleureux chez son grand-père, et puis après, ça a vite changé de ton. Je ne sais pas, en fait, ce qu'on doit comprendre là-dedans. Parce que elle a essayé de faire des efforts pour apprendre le japonais très rapidement, du coup, elle s'est à peu près bien intégrée. Mais apparemment, sa mère, c'est pas le cas. Mais, ok, ça, c'est une chose. Bon, elle a du mal à s'intégrer, blabla, elle parle chinois, ok. Mais je comprends pas, en fait. Je pense qu'ils ont peut-être censuré. Encore une fois, je suis pas sûr, parce qu'il faudrait voir le script japonais, ce qu'ils disent vraiment. Mais ça m'étonnerait pas qu'ils aient censuré dans la version, entre guillemets, anglaise, que moi j'ai traduite par la suite. Parce qu'il y a un truc qui est pas clair, en fait, dans la manière dont elle parle de sa mère, en fait. Parce qu'elle s'est suicidée. Ok, bon, ça peut se comprendre, elle avait peut-être un mal-être, etc., mais il s'est forcément passé quelque chose avec le grand-père, en fait. Et c'est ça que, du coup, on sait pas. Alors, c'est peut-être volontairement flou, aussi, un petit peu de la manière où, bah, Makoto Makimura a subi des sévices, aussi, ce qui fait que ça l'a rendu aveugle. Et ça, on sait pas exactement ce qui s'est passé, mais on peut imaginer, comme j'avais dit dans les chapitres précédents. Mais du coup, pour sa mère, est-ce que c'est le même genre de truc? Je sais pas, est-ce que, chez genre, le grand-père, c'était une espèce de pervers, et puis... il s'en prenait à sa mère, il a violé peut-être, et puis le fait qu'elle ne parle pas japonais, elle ne pouvait pas se défendre, et puis du coup Makoto, je sais pas, elle se sentait, soit elle n'en avait pas conscience, soit elle l'a peut-être compris après, au moment du suicide, enfin, on sait pas tout ça, en fait, c'est assez vague, en fait, ce passage-là. Bon, en tout cas, voilà, ils ont eu globalement une vie de merde, hein, donc ça s'arrange pas. Avec tout ce qui s'est passé récemment autour de Makoto. Et du coup, bah oui, elle a parlé d'Owen Hailey qui s'est fait tuer, du coup, alors qu'il avait beaucoup aidé ces dernières années. Et aussi, bah, de Majima, sans citer, puisque je vous rappelle qu'elle ne connaît pas son identité, en fait. Goro Majima est venu la prendre, entre guillemets, de force pour l'emmener dans un entrepôt et essayer de la sauver, mais elle connaît même pas son identité, en fait. Elle connaît pas grand-chose de lui. Donc voilà.
Donc on va continuer du coup pour le chapitre 14, on va créer une nouvelle sauvegarde. Lien indéfectible. Donc là notre mission ça va être du coup de la faire revoir son frère pour réunir de nouveau la famille quoi. Oi, Iruka. Oh, nanda, Kiryu-san. Anta mada ikiteta no. Oh? Oi, oi, Beppin-san da kedo. Anta konna toko ni onna zure ka yo. Wari ga, oka ni iku toko ga ne. また少しの間、かくまってくれ。しょうがねえな。本当にむさ苦しいところですが、特に匂いとか。大丈夫です。すみません。いや、謝ることはないけどさ。なあ、キリュウさん。やっぱり、こんなとこに若い子を置いとくってのは、ちょっとな。わかってる。私の兄が迎えに来るまで、お願いします。お兄さん？ああ。ただ、電話しても繋がらねえんだ。だから俺が直接、そいつのところに行ってくる。それまでの間、彼女を頼む。お兄さんって、どこにいるんだよ。アジア街にいるはずだ。なんだ、カムロ町の中か。何日も預からなきゃいけないのかと思った。でもアジア街なら、この子を連れて一緒に行けばいいじゃない。堂島組に狙われてる。今は俺じゃなくて、彼女の方がだ。安全かわからないうちは、アジア街にも連れて行けねえ。堂島組に狙われてるって、この子が、なんで？あんたは知らねえ方がいい。そっか。まあ、あんたにはホームレス狩りから助けられた義理もある。わかったよ。引き受けた。Pourquoi Tachibana ne répond pas? Je pense que la meilleure façon de savoir est d'aller au Little Asia. Donc voilà, on a mis pour l'instant Makoto en sûreté. Donc dans la plan du sans-abri. Au moins on sait que personne viendra la faire chier ici. Par contre, le fait que Tachibana ne réponde pas, c'est un peu inquiétant quand même. Donc on va aller voir ça par nous-mêmes. Bon, que des trucs de merde. Nul. Hop. Donc, ce que je vous propose, parce que oui, je dis on va aller voir ça, mais on va peut-être se calmer un petit peu quand même sur la quête principale. ce que je vous propose, c'est que du coup... On va continuer un petit peu l'agence immobilière, parce qu'on se rapproche quand même là de chapitre 14, je crois qu'il y en a 17 en tout de mémoire dans le jeu, donc on se rapproche de la fin, enfin il y a encore pas mal de temps, ne vous inquiétez pas, mais c'est juste pour faire comprendre qu'on a quand même pas mal de retard accumulé sur... Ah, il y aurait une carte à choper. Il y a pas mal de retard accumulé sur l'agence immobilière et donc bah, va falloir s'y mettre sérieusement si on veut terminer ça avant la fin. Ce qui serait bien. Alors, j'espère que c'est possible d'y aller parce que je vois déjà sur la minimap qu'il y a un accès genre qu'on peut pas y aller. Donc, je sais pas trop pourquoi. J'espère que ça va pas être le cas partout. Histoire que je puisse avancer l'agence immobilière maintenant. Quoi.
J'ai quand même regardé le message que j'ai parce que j'ai un petit icône. Ouais, c'est pour Serra et quand quand Oda nous avait envoyé un message sur le beeper en fait. Ok. Donc allons à l'agence immobilière. On a des sous-sous à récupérer. Ah bah oui, c'est vrai, il y a cette femme là aussi, la fameuse. Attends, c'est quoi, c'est Marusa, je crois, il me semble. Qui travaille pour les impôts apparemment. Alors, on va récupérer l'oseille déjà. Voilà. Donc apparemment, la zone du Pleasure King est une embrouille, donc il va falloir que j'aille la résoudre aussi. Ah, un petit money battle. Il peut pas gagner contre moi, j'ai tellement d'oseille là. Easy. 35% bien. Alors hop. Est-ce qu'il restait des bâtiments améliorés? Alors est-ce qu'il y a quelques-uns? Ça doit être les dernières acquisitions. On prend Mirac Johnson pour aller plus vite. Ah, vous voyez que ça XP beaucoup plus vite avec lui. Hein. C'est qui est donc, ça c'est bon. Ici. Hop. Voilà. Là on va prendre le masochiste, ça va peut-être pas XP des masses, ouais, forcément il a que 2 étoiles. Là aussi. Donc ouais, là du coup ce qu'on va faire, c'est que je vais voir si je peux faire une fameuse quête que je voulais faire déjà depuis un moment. Vous avez dit, si elle ne se fait pas, c'est que je vais finir par croire que c'est vraiment dû au fait qu'il faut d'abord que je fasse un truc avec Majima pour qu'ensuite ça se fasse avec Kiryu. Je pensais pas que c'était un truc comme ça, mais je vais finir par le croire. En fait, ça dépend. Si je tombe dessus maintenant, c'est que c'est bon. Sinon, c'est que c'est lié à ça. Et puis, on va aussi régler le problème là. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Ouais, il y a une autre quête aussi que j'aimerais bien faire. Je pourrais tenter de la faire là, dans les prochaines minutes. On va voir, en fait. Tout dépend du truc. De toute façon, là, comme d'hab, je vais essayer de couper les moments morts. Le temps de résoudre le problème. En plus, je pourrais sûrement recollecter un petit peu de sous. Donc, du coup, on se retrouvera après tout ça, quoi. Ah bah tiens, rappelez-vous que la dernière fois, j'avais acheté un truc qui optimise, du coup, l'apparition des nouveaux riches. Donc, en voilà un. Allez voir ce que ça donne du coup. Alors ils ont pas beaucoup de vie malheureusement, c'est un peu fait exprès. On ne puisse pas non plus faire un maximum de fric avec eux parce qu'ils donnent tellement d'argent. Ouais, il a tellement très peu de barres de vie du coup et j'ai gagné que 4 millions. 900 c'est pas beaucoup. Mais voilà, c'était mon premier nouveau riche apparemment, vu que j'ai gagné un CP juste pour ça. Et du coup voilà, l'apparition des nouveaux riches, il y en aura quelques-uns et plus on optimise le truc, plus bah il y aura de nouveaux riches dans la zone, quoi, tout simplement. Donc voilà, alors je regarde si on peut faire la quête, apparemment c'est toujours pas le cas, moins que ça soit pas ici, mais il me semblait. Je vais aller voir quand même du côté du parking, on se retrouve là-bas sinon. Alors on voit qu'il y a Mister Check Zone là pas loin, je vais essayer de l'aligner, par contre ça serait bien qu'il revienne par là, je vais essayer de l'attirer. Parce que là, les petits couloirs comme ça, je suis sûr de mourir. Ou peut-être l'affronter en face, je vais voir. Viens par là. Coucou, je suis là. Viens me chercher. Parce que sinon, bah, ça va être trop galère. Je vais dépenser mes thunes à l'avance pour éviter de les perdre bêtement, ça serait bien. Tiens, on va prendre ça. Parce que là, il commence à avoir pas mal de thunes sur lui, ça peut être sympa. Hein, si j'arrive à le... Ok. 100 millions, c'est mort. 100 millions, c'est mort aussi. Putain, il y a tellement de trucs chers maintenant. Ah, ça, c'est bon. Après, on va attaquer que des trucs à 100 millions, ça va être compliqué. Voilà. Allez, ramène ta gueule, là, viens me chercher. J'espère qu'il va venir. Parce que des fois, il nous course un peu, mais c'est pas tout le temps le cas. Donc, je veux l'attirer dans une zone qui est assez grande, en fait. Il veut venir ou quoi? Ah, il veut. Il veut ou il veut pas? Il vient par là. Je sais pas s'il va rentrer direct dans la zone, ça serait bien.
Ah putain, merde. J'avais vu les hommes en noir là au fond, mais j'ai voyé qu'ils me regardaient pas, du coup je me suis dit ça va aller. Mais forcément, du coup ils l'ont fait d'époque, donc il y a peu de chances qu'ils soient là à la sortie. Bon, on va voir ça, mais ah, ça fait chier, j'aurais pu gagner pas mal de vie. Bon, si j'aurais gagné, parce que... si j'avais gagné, pardon. Parce qu'il n'était pas forcément sûr, mais... disons que si la zone est ouverte, j'ai déjà plus de chance, quoi. C'est surtout ça. Vas-y, donne ton flingue, toi. T'en as pas besoin. Allez, encore un. Alors, est-ce qu'il reste des balles? Parce que c'est bien, j'ai pas tiré beaucoup. Ah non, il y a vraiment plus de balles. Putain, il n'y avait pas grand chose dedans. Sur le coup, j'ai pas vu le nom, mais je suis bon, ça tire pas, il doit plus en avoir. Mais disons qu'il aurait été de me manger des coups bêtement en attendant, je me suis dit j'attaque direct. Donc, je l'ai balancé, mais. Ouais. J'ai l'impression d'avoir tiré que 3 coups avec. Je sais que ça. Donc voyons voir si Mr. Checkdown est toujours là, mais habituellement il dépop. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. Bon bah tant pis. Je vais quand même arpenter la rue là. Parce que normalement il y a une autre quête qui pourrait m'intéresser si elle se lance. Alors attendez, je regarde la minimap parce que normalement je crois qu'elle se lance. Je pense qu'elle doit se lancer dans ce coin là alors. Si j'ai pas de conneries, donc on va voir. C'est une quête que j'ai traduite, que je vais vous montrer depuis un moment. Je pense que celle-ci devrait pouvoir se débloquer. Parce que l'autre, apparemment, c'est toujours pas le cas. Je ne comprends pas pourquoi. Mais... peut-être que c'est lié à Majima, encore une fois. Enfin, je regarde de son côté. Allez. Voilà. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin d'aide. Hmm? Un pervers ivre harcèle mon ami, je vous en prie. S'il vous plaît, venez l'aider. Donc on va accepter. D'accord. Où est-elle? Mais merci, par ici. Vite! Ils sont juste par là. Et cet ivrogne est tout seul? Il a des amis? Où est-elle allée? Nani? Merde. C'est quoi ça? Belle esquive, pas mal pour un yakuza de merde. On m'a dit qu'il y avait un pervers ivre. Tu es trop naïf, connard. Je vois. Donc cette fille est ta complice. Qu'est-ce que tu veux de moi? J'ai juste une petite faveur à te demander. Rends service à la société et crève. Il allait remonter ce garçon. On va s'occuper de son cas. Je croyais qu'il était avec des potes, il me semblait pas, mais j'ai vu le mec à droite, j'ai douté. Pitié, ne me tuez pas. Tu vas monter ce piège et ensuite tu demandes grâce. Un fin négociateur. Hein. Fais voir ton visage. Alors, je sais pas si vous allez le reconnaître ou quoi, ça fait très longtemps. Mais je vais vous le dire après, de toute façon. Un gamin? C'est quoi l'histoire? Quelqu'un t'a payé pour me tuer? Non, c'est pas ça. Alors pourquoi m'avoir ciblé? T'es de la famille Dojima? La famille Dojima? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne connais aucune famille de Dojima. Je me foutais de qui c'était, tant que c'était un yakuza. Nani? Quoi?
Je déteste les Yakuza. Ce sera un monde meilleur s'ils mouraient tous. Les gens qui aiment les Yakuza sont rares, mais il est encore plus rare de trouver un fou prêt à sauter sur des gens dans une ruelle sans aucune raison. Quel âge as-tu ? J'ai 16 ans. Lycéen alors ? J'emmerde le lycée. Je suis dans un gang de bikers. Donc tu es un gueulard du gang de bikers. Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis comme ça ? C'est vrai, c'est quoi ton nom ? Tanaka. Shinji Tanaka. Et là, ça vous dit quelque chose, normalement. Alors, pour ceux qui auraient oublié, éventuellement, c'est tout simplement l'un des hommes de... Je dis entre guillemets l'un des hommes, c'est pas forcément son homme direct, mais bon, c'est un peu son supérieur. Dans Yakuza 1, rappelez-vous, quand on commence le jeu, on doit récupérer de l'argent chez une société avec Shinji Tanaka. Et c'est lui aussi qui nous aidera par la suite dans le jeu. Hein. Après, on le reverra 10 ans plus tard, après être sorti de prison, où il sera habillé d'un long manteau noir, mais toujours une chemise violette, comme il a là. Enfin, là, il a pas une chemise, c'est une veste, mais toujours ses teintes violettes avec des dragons dessus dorés. Et c'est lui qui va infiltrer notamment la famille Nishikiyama pour tenir au courant de ses faits et gestes, notamment à Kazama-san. Et puis aussi nous aider, nous. Sauf que, si vous vous souvenez, après il va mourir. Il va se faire tuer à peu près en même temps que Reina par notamment... comment il s'appelait déjà lui, j'ai plus son nom, mais c'était un des hommes de Nishikiyama qui voulait les buter. Et du coup, il va mourir, il va nous donner la fameuse bague de Yumi qu'il avait récupérée. Et après, on va aller voir du coup sa petite amie Akemi au Shangri-La. Et c'est elle qui va nous donner la piste où est... comment s'appelle Kazama, et puis à ce moment-là il était avec Terada du coup sur le quai de Shibaura, donc sur la baie, enfin à côté de la baie de Tokyo quoi. Si vous vous souvenez, voilà à peu près les événements de ce personnage-là. Et du coup là c'est notre rencontre quand il avait 16 ans avant de nous rejoindre, puisqu'apparemment là il déteste les Yakuza à ce moment-là du jeu. Shinji Tanaka, et quel est ton problème? Avec quelle famille es-tu? Je suis un civil, pas un yakuza. Alors par contre, c'est bizarre, il y a un moment j'ai fait vouvoiement et après tutoiement, je sais pas pourquoi, j'ai dû me foirer, je pense, dans les lignes de dialogue. Parce que plus tard, je crois que je le fais peut-être vouvoyer, parce qu'en mode, bon, vous allez voir, mais il va l'idolâtrer un peu. Donc tu dis, bon, qu'il le vouvoie par la suite, je trouvais ça sympa, tu vois, c'est un, genre une marque de respect et de... d'adoration, on va dire, envers le personnage, quoi, mais là, pour le coup, normalement, ça aurait dû être continu, donc je sais pas, il y avait un fail. Ouais, c'est ça. Je répète ma question, Shinji. On t'a demandé de faire ça ? Non. Alors, pourquoi le faire ? Les Yakuza ont détruit ma famille. Mon père a eu des problèmes financiers en vendant des propriétés. Les requins Yakuza ont senti du sang dans l'eau, et ils ont tout pris. Ma mère était intelligente, elle s'est enfuie dès qu'elle a eu un problème. Ces connards venaient et battaient mon vieux tous les jours, puis le vieux me battait dans la foulée. Mais ça s'est arrêté une fois que j'ai riposté. Maintenant il a sa bouteille. Ça me donne envie de le tirer de sa misère. Je ne supportais pas d'être près de lui, alors je suis parti. Et tu pensais qu'agresser un Yakuza était la solution? Si je dois voler pour vivre, les Yakuza sont des proies faciles. Ce sont tous des voleurs, de toute façon. Et ils ont une réputation à tenir. Ils ne peuvent pas aller pleurer chez les flics s'ils se font botter le cul. Tu joues avec le feu, s'ils t'attrapent, ils te tueront sans hésiter. C'est bon. Les seuls qui savent que je fais ça, c'est mon gang de bikers. Des gars en qui je peux avoir confiance. J'espère que ça marchera pour toi. Hé, où est-ce que tu vas ? Quoi, t'as besoin que j'écoute l'histoire de ta vie? Tant que tu ne réponds pas par la force, j'en ai fini avec toi. Et puisque tu me laisses dire ce que je pense, arrête cette chasse au Yakuza tant que tu peux. Tu dois ta vie aux grâces que grâce à une chance débile, quand ils t'attraperont et te feront payer sa fois 10. Je m'en tape. Je n'ai pas encore rencontré un Yakuza aussi fort que toi. Tant qu'ils sont seuls, ils tombent facilement. J'aime les écouter implorer la pitié, mais... quand tu m'as botté le cul, j'ai sérieusement cru que j'étais mort. Bien, tu fais ce que tu veux. Je ne vais pas me disputer avec un grand garçon.
Ce gamin sera mort tôt ou tard, mais j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai mes propres problèmes en ce moment. Et ce qui est marrant, c'est que cette quête-là n'est pas forcément finie. Et pour ça, pour déclencher la suite, on va devoir aller au parc. Donc je vais y aller dès à présent. Ah, tiens, un nouveau riche, décidément, là, ça y est, j'en ai débloqué un, il y en a partout maintenant. On va se faire un peu de sous-sous. Alors, j'espère qu'il va se vivre un peu plus longtemps, parce que, ouais, il a un peu plus de vie, ça. Parce que du coup, en les mettant au sol comme ça, ça fait pas mal d'oseille. Vraiment, ça leur fait pas trop de dégâts. Comme ça, je fais un max de flic sans difficulté. C'est un petit peu loin cette procédure, mais bon, ça permet de faire du fric facile. Il y a peut-être une technique pour faire plus d'oseille tout en leur cassant pas la gueule. Je sais pas vraiment, je crois que si tu les fais tomber comme ça, ça va. Ouais. J'ai peur que ça fasse plus de dégâts en fait. Ah, quoique, non, ça a l'air d'être correct. Ouais, les petits finish. Voilà. 12 millions, vous voyez que là la différence elle est notable. L'autre c'était 4,9 millions je crois, donc plus du double. Donc ça vous donne un petit ordre d'idée. Donc ouais, c'est ici. J'ai juste à rentrer je crois et ressortir il me semble. Et ça déclenche la suite de la quête avec, avec Shinji. Hé, hey, toi. C'est à moi que vous parlez. Tu vois quelqu'un d'autre? Viens avec nous. Nous devons avoir une petite discussion. Vous êtes qui? Peu importe qui nous sommes. Mais toi, par contre, tu connais un gamin qui s'appelle Shinji Tanaka? Il nous a tout dit sur toi. Tu n'as pas besoin de moi pour expliciter le reste, non? Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. Ne joue pas l'idiot avec moi. Tu as utilisé ce gamin pour s'en prendre à nos gars. Nani? Quoi? Le gamin t'a balancé. Alors arrête de faire l'abruti et viens. C'est ce qui arrive quand on fait chier la famille Jinsei. Vous avez attrapé Shinji? Qu'avez-vous fait de lui? Ton inquiétude pour cette petite merde est vraiment touchante. Et c'est aussi bien qu'une confession signée. T'es le gars pour qui il travaille. Mais ne t'inquiète pas, tu le verras très bientôt. Alors arrête de traîner du cul et viens avec nous. Pas étonnant que la famille Jinsei soit une merde de troisième rang. Vous ne connaissez rien à l'image, les gars. Hein? Si tu veux m'emmener quelque part, tu ferais mieux de t'incliner d'abord. Sinon, casse-toi. Espèce de fumier. Laisse tomber, on va te casser la gueule ici et maintenant. Donc sympa le petit Tanaka qui balance notre blase pour nous foutre dans la merde. Comme si on l'était pas assez. Il n'est pas rappelé, sans rappeler pardon, le prologue de Yakuza 7 qui est un peu similaire pour ceux qui ont regardé la traduction que j'avais faite sur Yakuza France, du nouveau héros de Yakuza 7, hein, Kasuga Ichiban. C'est un peu le même cas de figure en fait, c'était une petite racaille ado qui s'en prenait pour Yakuza et tous les petits mafieux pour récupérer leur fric, leur casser la gueule. Sauf qu'un jour, qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé sur plus fort que lui, c'est-à-dire qu'il a cassé la gueule à un mec qui appartenait à une famille Yakuza importante, je crois, qui était le fils d'un Yakuza important. Et du coup, les Yakuza sont venus chercher un coin. Et il s'est retrouvé dans la merde à se faire à moitié torturer. Et son seul moyen de sauver les miches, en fait, c'est de donner le blaze d'un Yakuza qui était très populaire à ce moment-là, avec un certain Arakawa, pareil, lié à Yakuza 7. Et en fait, c'est ce qui l'a sauvé, puisque ce Arakawa, en fait, pour garder son image, et parce qu'il doit faire bonne figure, entre guillemets, bah, il a été sur place et il lui a sauvé la peau du cul en échange d'un d'autre. Ça, en gros, c'est un peu le prologue de Yakuza 7, et ça y fait un peu penser, du coup, parce que dans Yakuza 0, t'as un peu le même cas de figure avec Shinji Tanaka, quoi. Putain, qui est ce type, c'est dingue. Où est Shinji? Ce voyou a intérêt à être encore en vie. Arc, montre-moi où il est.
Mais sache que je ne suis pas le mec derrière ce plan foireux. Il vous a menti. Quoi? Il m'a entraîné là-dedans, et il va payer pour ça. Oh, je vois. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Mais on est sur la même longueur d'onde, mec. Alors emmène-moi à lui. Arrête de gagner du temps. D'accord. Hey, yeah. Tchè, je m'attendais pas à trouver un gamin comme ça en train de m'amener nos gars. Alors, où est le mec qui donne des idées à ces tracailles? Toujours pas trouvé? Ouais, je ne suis pas sûr de ce coup. Tu es venu pour moi? Bien, bien, bien. Alors, c'est notre cerveau, hein? Attends, où sont les gars qui t'ont amené? Ils font une sieste dehors. T'as vraiment fait tout ce qu'il fallait pour t'occuper de ce gamin stupide, quel cirque. Ah, attends une minute, je reconnais ce bâtard. Hein? C'est Kiryu. La famille Dojima a mis une prime sur lui. C'est le gars que la famille Dojima recherche, Kazuma Kiryu. Quoi? Tu te fous de moi? Kazuma Kiryu? Pourquoi un mort ambulant ferait ce genre de merde? Comme si je m'embêtais à chasser des faibles comme toi. Shinji vous a fait avaler un tas de conneries. Alors c'est ça l'histoire. Eh bien tant pis, j'en ai plus rien à foutre. C'est notre jour de chance. Il suffit d'amener ce clown à la famille Dojima et nous sommes dans les bonnes grâces de la famille la plus puissante de Kamurocho. D'accord. Écrasez-lui la gueule. C'est notre ticket pour la Grande Ligue. Eh ben non, vous allez rester dans la troisième... la troisième, qu'on appelle ça... Merde, j'ai plus les termes. Troisième rang, ouais. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pas grave. Vous allez rester une petite famille de merde. Parce que vous êtes nuls. Donc apparemment, les hommes de la famille Jinsei se faisaient victimes par Shinji Tanaka. Voilà. C'est vrai que du coup, leur image est un petit peu dégradée. Hein. Se faire ken par un adolescent, c'est pas eux. Du mobilier pour tout le monde, des chaises, des tables. Je peux pas prendre les canapés, dommage. Je les aurais fait participer pour l'occasion. Allez, il y a la petite plante verte à droite là. Allez, lève-toi. Et pour finir... Zblé. Dans ta gueule. Merde, quelle force de fou. Alors vous êtes Kazuma Kiryu? Enfin... Vous êtes connu, toute la famille Dojima est à votre recherche. C'est dur, ça. Vous affrontez toute la famille Dojima tout seul, j'aimerais avoir la moitié de ce genre de force. Ils t'ont bien tabassé, est-ce que ça a donné du plomb dans ton crâne épée? Comme si... Comment ont-ils découvert que tu étais le racketteur? Quelqu'un dans le gang m'a balancé. Ils avaient peur que les Yakuza les poursuivent si ma couverture était compromise. Ils m'ont donc livré en échange de leur sécurité. Quand j'y pense, je comprends pourquoi ils l'ont fait. J'ai été idiot de leur faire confiance. Une autre question. Pourquoi tu dis à ces crétins que c'était moi qui t'avais demandé d'aller tabasser les Yakuza? Parce que si je leur donnais pas quelque chose, ces gars allaient me sortir et m'enterrer dans les montagnes.
pour moi, il n'y avait aucun moyen qu'il puisse vous battre. Alors je leur ai donné une description, je leur ai dit que vous étiez mon patron, je devais le faire. Je pensais que peut-être vous viendrez me sauver. Vous sembliez être ce genre de gars. Mais merde, comment tu réfléchis au juste? Comment tu fais le restant de ta vie? Hein? T'as le pistolet sur la tempe et le premier gars qui te vient à l'esprit est un inconnu que tu n'as rencontré qu'une fois. Pas de famille, d'amis ou de parents en qui tu peux avoir confiance. Yeah. Au lieu de ça, tu agis comme un abruti de justicier qui essaye d'éliminer les Yakuza jusqu'à ce qu'ils gagnent finalement. C'est quoi ce genre de vie? Personne ne m'a jamais appris à faire confiance. Je n'ai jamais eu de personne pour me montrer quoi faire. Alors j'ai compris au fur et à mesure. Personne ne m'a appris comment vivre. Grandis un peu. Tu ne peux pas blâmer ton père ou les gens qui t'ont laissé tomber. Tu dois mener tes propres batailles. Je ne suis pas une exception. Je fais de mon mieux pour vivre. Et vous êtes si fort. J'ai juste eu de la chance d'avoir un mentor. J'ai eu quelqu'un qui m'a donné quelque chose que je pouvais aspirer à être. Mais c'est un Yakuza donc tu dois automatiquement le détester. C'est votre modèle? C'est Shintaro Kazama, le capitaine de la famille Dojima. Si je pouvais être la moitié de l'homme qu'il est, je serais bien. Mais j'en suis loin. Shinji, les Yakuza ont les yeux sur toi maintenant. Tu ne peux pas rester dans le coin. Sors de Kamurocho, trouve-toi quelqu'un en qui tu peux avoir confiance. Quelqu'un qui peut t'apprendre. Partir de Kamurocho, je ne peux pas faire ça, Kiryu-san. Je ne vais pas m'enfuir. Nani? Quoi? En plus, vous avez bien plus de Yakuza à vos trousses que moi, pas vrai? Je ne bouge pas. Comme tu veux. Si c'est comme ça que tu choisis de vivre, comme je l'ai déjà dit, je ne discuterai pas avec toi. Ouais, c'est ma décision. Mais promets-moi ceci. Coupe les liens avec ton pauvre petit gang. Et si tu dois vivre dans cette ville, je veux que tu trouves un moyen de me surpasser, Shinji. Hé, Kiryu-san, une dernière chose. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir me sauver? Vous êtes déjà en haut de la liste de la famille Dojima. Pourquoi prendre ce risque? Qui sait? Je ne sais pas vraiment pourquoi non plus. Quand j'étais gosse, j'étais seul aussi. Si je n'avais pas rencontré Kazama-san, je serais probablement comme toi maintenant. À bientôt, Shinji. Kiryu-san, je crois que j'ai trouvé quelqu'un qui m'inspire. En fait, j'espère qu'un jour, je pourrai être encore meilleur que vous. Peu importe où vous allez, je serai juste un pas derrière. Observez bien. Kiryu-san, monsieur. Alors là, c'est vrai que pour le coup, je l'ai traduit littéralement parce qu'il n'y a pas de voix... Enfin, ils sont pas doublés, hein. Là, c'est juste des textes. Mais ça m'étonnerait pas qu'il l'ait appelé Aniki, en fait, dans la version japonaise. Mais vu qu'en anglais, ils gardent pas le terme Aniki, qu'ils mettent souvent monsieur ou des fois boss, ça dépend. Mais ça m'étonnerait pas, ouais, qu'il l'appelait Aniki à ce moment-là, parce que c'est toujours comme ça, en fait, hein. On l'avait aussi dans Yakuza 3. Ah, y aurait-il un Mr. Check-Do? Oh putain, il a 229 millions, ouais, c'est le moment de l'éclater, là. Là, c'est le moment ou jamais. On va restaurer notre vie. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas une dernière habité que je peux débloquer, mais là, je crois que les 30 000, c'est fini. Celui-là, il a acheté... Ouais, bon, on va essayer de le ken, j'espère que je vais y arriver. Parce que là, ça fait pas mal de sous-sous. Allez. Et voilà, je trouve ça sympa, parce que du coup, ça permet de revoir Shinji Tanaka. C'est un perso que j'aimais vraiment bien dans Yakuza. Et j'étais un peu triste quand il est mort, mine de rien. Donc, c'est plutôt cool. Oh putain, calme-toi, t'es les chaudes. C'est plutôt cool de le revoir ici, puis en même temps ça développe un peu le personnage. On apprend du coup comment il a fait pour joindre... Comment il a fait pour joindre Yakuza, non. Même si là on se doute bien que du coup, si Kazuma le motive, il va rejoindre Yakuza. Mais c'est intéressant d'avoir son passé plutôt, c'est à ça que je pensais. Parce que dans Yakuza 1, à la base, on sait que c'est un plus ou moins un homme de Kazama. De Kazuma, pardon, putain, je galère parce que j'essaie de me concentrer en même temps, c'est chaud. Mais c'est tout, en fait, on en apprend pas grand-chose sur lui, à part qu'il aime beaucoup les jolies filles et qu'il passe son temps dans les quartiers un peu roses ou le Shangri-La, genre de truc.
à part ça, c'est tout, on connaît pas grand chose de lui. Si ce n'est de quelqu'un de bien, en tout cas. Enfin, qu'il est devenu par la suite, du moins. Ça, c'est très très chaud, là. J'ai pas regardé la jauge de vie qu'il a, par contre. Ah ouais, il a une sacrée jauge de vie, ça va être très très chaud. Je vais regarder si j'ai pas une arme pour peut-être aller plus vite. Ouais, cette arme est plus la merde. Au pire, j'ai fusée à pompe, je vais l'utiliser vu que je l'avais gagné. Je voulais le revendre, mais je pense que ça peut m'aider à ce combat. Oh putain, je pensais que j'étais hors de sa portée. La caméra est trop... Alors, je vais peut-être m'éloigner un peu. J'ai peur qu'il me rush, donc je préfère tirer quand il sera loin. Parce que je sais pas si ça va le stopper en fait, le fusil à pompe, c'est ça le truc. Tiens non. Ah, ça a pas l'air de le stopper. Ah, il s'en bat les couilles, il continue de tirer sur lui. Voilà, j'ai plus de balles. Est-ce que j'ai d'autres choses que je pourrais lui mettre sur la gueule? Le taser, je sais pas si c'est efficace sur lui. Ah merde, aïe aïe aïe, c'était pas prévu ça. Lève-toi, lève-toi. Ça mange. Bim, qu'est-ce que tu vas faire? Taser dans ta gueule. Alors j'ai plus beaucoup de soins, là on arrive bientôt à la moitié de... Ah. J'avais juste besoin d'un son en fait, ça suffisait. J'en ai gâché un. Hein. On va consommer le bonbon, je sais pas si ça soigne beaucoup. Ah ok, ça a bougé d'un millimètre la barre. Efficacité sur 20. Tenter le coup de taser, mais je sais pas si ça va le mettre au sol en fait. Aïe. Lève-toi, 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 lève-toi. Ouais, ça fait rien du tout. Ça le tase même pas. Oh le bâtard. Si je reste devant, là ça va faire très très mal, très très mal. Réveille-toi, aïe aïe aïe, erf erf erf, en sueur. Est-ce que je peux prendre un vélo? Genre, je peux pas. Ah, bah attends, parce que j'ai quitté le talent. Je vais tenter le game avec ça. Ça a déjà enlevé pas mal de vie. Ah, ouais, ça enlève pas mal de vie, ça c'est bon. Parce que là, je commence à être en galère de soins. Si je mets pas un maximum de dégâts maintenant, ça va être compliqué. Ah, l'enfoiré! Oh, qu'est-ce qu'il fait là? Oh merde! Oh, il m'a ken, ça y est. Oh le bâtard! Oh, je me rappelais pas qu'il faisait ce genre de move! Oh putain, j'étais pas prêt! Oh, il m'a démoli là. Ah, le chien! Vas-y, fumier. Putain, la prochaine fois, je le dégomme, obligé. Mais il avait voulu de la vie aussi, hein. Ça commence à être sacrément coriace, cette merde. Bon, du coup, on va se retrouver dans l'agence immobilière. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vais juste récolter au passage, et puis on s'arrêtera juste après. Voilà, donc c'est bon, j'ai fait la collecte. Donc, je vais pouvoir sauvegarder. Donc, bon, on a quand même bien avancé au niveau de l'histoire dans cette vidéo sur la première partie de celle-ci. Je vais re-sauvegarder du coup sur ça parce que c'était le changement de chapitre.
Du coup, on a fait la quête avec Shinji Tanaka, donc ça c'est bon, ça faisait partie des quêtes que je voulais vous montrer par rapport à des personnages en fait qu'on voit dans la suite de la série, ou dans le passé de la série, hein, ça dépend si on l'a commencé aujourd'hui ou avant, ou si on le voit de manière chronologique, on va dire. Bref, je vais pas m'enterrer plus profondément, ça suffit. La prochaine fois, du coup, ce que je vais faire, c'est la quête avec Marusa. Donc l'inspectrice des impôts là qui nous attend juste dehors. Pendant l'attente là, je vais laisser tourner le jeu pour refaire une collecte ou deux. Je vais voir si je peux peut-être en faire deux d'affilée. Je dirais pas non. Comme ça, je commencerai avec déjà un peu d'oseille et je pourrais réinvestir pour continuer d'avancer dans la quête. Parce que là, si on regarde au niveau du, ah, c'est pas. Bon, allez, il nous parle du décor. On peut changer l'environnement, mais ça, on s'en fout. C'est pas lui que je voulais parler, mais là, en pourcentage, on est ouais à 28% dans la zone Pleasure King, Gambling King 39. Donc on va pas tarder à être défié par le Gambling King. Je sais plus, je crois si c'est à 50% ou 60%. Donc, enfin, je dis, on va pas tarder, ça va prendre encore pas mal de temps, mais disons que ça en prend bien le chemin. Par contre, Pleasure King, moi, je suis à la bourre. Je pensais plus en avance sur Pleasure King, ce faisait plus. Enfin, c'est dans l'ordre, en fait, des difficultés, donc techniquement, Pleasure King était plus accessible là-dessus. Mais vu que j'ai pris du temps, en fait, à acheter des acquisitions sur Pleasure King, j'ai l'impression que c'est un peu tardé, en fait. C'est un petit peu pour ça. Mais bon, voilà, du coup, on fera Marusa la prochaine fois, et après, s'il me reste du temps, je vais voir si bah, je vous montre pas éventuellement certains mini-jeux que je vous ai pas encore montrés. L'histoire 2, et puis comme ça en même temps, entre chaque mini-jeu, je pourrais éventuellement récupérer de l'oseille d'ici. Donc comme ça, vous, je vous fais une présentation de mini-jeu, et moi, dans les temps morts qui seront coupés au montage, je ferai de la récup de thunes. Ça me paraît être un bon compromis. Donc en tout cas, voilà, j'espère que cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, et on se retrouve la prochaine fois pour le chapitre 44, non, si je me trompe pas. Voilà, allez, à plus. Thank you.